Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une vidéo très courte. Tout simplement, il y en a beaucoup qui m'ont demandé par rapport à la recherche de joueurs qui avait un problème. En gros, quand vous tapez par exemple Emre, vous allez voir qui s'affiche là. Si on prend, hop, si on s'arrête là, on voit que Emre Can, il est ici à 74. Et alors que si je continue à écrire Emre, il n'y a plus rien. Bah voilà, comme si on continuait à chercher. En gros, le système de recherche fait que si vous commencez à taper le nom d'un joueur et qu'il s'affiche au moins jusqu'en bas, il ne va pas s'afficher si vous rajoutez une lettre. Voilà, si on prend, voilà, là ça va continuer que jusqu'à 60, à 71. Et donc s'il y avait un joueur au-dessous, à 50 et qui commence par cette lettre-là, il s'afficherait, mais dès que vous allez taper le E, et pourtant il y a plein d'Emre, donc ça devrait, en gros le système considère de recherche de FIFA Foot qu'il n'y a pas besoin parce qu'il s'affiche dans le listing. Donc si vous rajoutez un E, ben, il n'y a plus personne qui existe. C'est complètement con, c'est contre nature parce qu'on n'a pas l'habitude de ça quand on cherche. Plus on va rajouter, plus en gros vous allez trouver le joueur. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça hein, chez Electronic Arts. On sait bien qu'ils ont dû prendre ou recruter tous les développeurs de chez Infogrames de l'époque. Ils aiment bien faire des petites choses à leur sauce comme ça. Hein. On s'amuse un peu comme ça, on taquine les joueurs. C'est plutôt rigolo. Rigolo, hein. On peut prendre d'autres exemples, mais en gros, dès que vous allez commencer à taper n'importe quel nom, si vous tapez Nicolas Parera, donc si vous commencez à taper Parera, s'il s'affiche, il ne s'affichera plus derrière. C'est voilà, c'est le nouveau système de recherche de nos amis d'Electronic Arts, qui est complètement débile. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, les joueurs sont bien là. En gros, si vous commencez à taper pas et vous ne voyez pas votre joueur, il suffit juste de descendre, vous allez le voir. Ça sert à rien d'être plus précis, malheureusement. Si vous cherchiez Paco Alcacer, donc souvent il y en a qui continuent à écrire, mais ben, Paco. Eh bien, il n'y a rien, donc là ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à trouver leur joueur, tout simplement. Il suffit juste de descendre, et ça veut dire que votre joueur est sûrement au-dessous, soit parce qu'il va falloir chercher un plus, voilà, et là il s'affiche. Mais c'est vrai que malheureusement, si on rajoute un O, ben, il n'y a plus rien qui s'affiche, voilà. Ben, c'était juste une petite astuce, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, donc voilà, c'était juste pour vous répondre. C'est juste que le système, le moteur de recherche inclus dans le marché des transferts est juste débile. C'est du grand Electronic Arts, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça va pouvoir aider à certaines personnes qui n'arrivaient pas à retrouver leur joueur sur le marché des transferts, et que ils étaient souvent très agacés. Donc voilà, il suffit juste de descendre, il y est, et ça sert à rien d'être plus précis. Malheureusement, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas mieux les trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus tard, ciao les gars.